Nous dit bonsoir, nous dit bienvenue dans Chanel Michou Recette Créole là. C'est Michou Recette Créole qui est entré dans le cas là aujourd'hui pour l'autre vidéo. Alors que nous pensons tout le monde très bien. Et pas oublier les vidéos juste pour nous toujours quitter un commentaire, like pour moi, un like. Toujours partager avec un autre ami ou comme ça pour famille en lui-même est capable d'augmenter. Parce que chaque fois partager avec un autre monde, nous famille en lui-même lui augmenter. Léo a pris vidéo ou toujours qu'à quitter yon pesé doué sous bouton like là pour nous. Ça va encourager nous juste pour nous capables de continuer travailler plus. Qui recette que Michou pral pote pour nous aujourd'hui là? Nous pral pote yon bon macaroni gratiné aujourd'hui là, bien go. Nous pral passer avec présentation tout ingrédient que moi pral besoin juste pour nous capables de faire macaroni gratiné ça. Qui ça m'a besoin? Mgen viande mwen la, mwen gen tan lave viande mwen, bien lave mwen chaude li, ou même si ou vle chaude l'ou kapab chaude, mais mwen chaude pa mnan. Pa bliye n ap servi avec viande moulu yo, si tout moun ki achete viande ki gen conserve yo, s'il vous plaît, fok nou lave yo juste pou nou retire conserve la dan yo, parce que conserve la li même, li pa bon pou santé nou. Après ça, ça c'est épice que mwen pral assaisonner viande mwen, mwen gen ti moutarde, mwen gen persil glo, mwen gen yon sos anglaise, ça c'est l'huile m'a besoin. Après ça m'a besoin lait, m'a besoin beurre. Après ça, ça c'est petit poudre que moi utiliser juste moi-même pour me faire manger moi. Il y a paprika là, il y a poivron poudre, oignon. Après ça, ça c'est épices blendées moi, ça c'est jus. Après ça là, après ça c'est fromage que m'a utilisé moi, il y a fromage. Yon fromage Kraft ou bien en tête de mort, j'en aurais les haïtiens. Après ça c'est un petit fromage moussanais là. Après ça m'a besoin macaroni. Après ça ça aussi ingrédients que moi pral laver juste pour me capable couper les gen oignons, les gen tomates, les gen piment piqué tout. N'après moi gen piment ça yo, moi gen rouge la viande, moi gen petit reste piment jaune ça. Qui ça encore? Après ça nous n'a besoin de farine, si nous utiliser farine, n'a besoin de farine juste pour nous capable faire sauce béchamel là. Après ça ça sont des olives qui moi mettre dans pan, c'est souvle mettre olive là-dedans. OK, kounya qui ça me pral faire en premier? Moi pral épicer viande moi juste pour me capable mettre li pour un petit repos dans épice. Me dégant la laver kounya la m'a prend un bol, m'a pas ajouter épice, épice blendé là. Lo ap epise vyen, nou mette tout epis ou manje. Mwen menm se epis sa ou men manje, ou ka toujou itilize epis ou menm ou manje. Si ou itilize magi, ou ka toujou mette magi, sa pa deranje anyen. Ap sa sa se tip ou epis sa ou men itilize, yo vreman bon, paske yo pa gen ken konserve la dayo, mwen vreman reme yo. Ap sa sa se on ti persi an dlo ke mwen genyen, ma pa ajoute kelke gout. Après ça, ça c'est une petite sauce anglaise. On va ajouter quelques gouttes. Je vais utiliser le vinaigre que j'ai utilisé ici. Là. Donc, on est là pour épicer la viande pour nous faire manger. Faire en sorte que la viande n'a pas épicé. Il n'y a pas de trop épices là-dedans. Mais, l'eau a épicé la viande pour faire en sorte que pour la viande goût. Donc, ça que manger pour le faire. Lui-même la capable de goût. Je vais ajouter un petit moutarde. Il y a des gens qui ne mangent pas moutarde. Moi-même, je mange moutarde. Pas manger trop, trop, mais moi use de. Après ça, m'a mixé épices. Ok, ça c'est mélange. Moi, on va mettre un petit vinaigre là-dedans. Si vous avez un citron, vous êtes capable de toujours mettre un petit citron là-dedans, juste pour caballer un petit acide. On va faire mélange là, on a ça m'a fait, m'a mélangé viande moi. Ok, kounya la mwen fin epise viande mwen, kounya la mette lan bay un sachet pou m kapab mette repose pendant ke mwen pral lave ingredients sa yo jiska m kapab koupe yo. Kounya la mwen ta fin lave tout ingredyen yo la, ki sa m pral fè kounya, m pral koupe yo, m pral koupe tout an peti 2. M ap koupe sa jist pou montre nou konwen m ap koupe yo, apre m ap koupe tout res yo. Ni zonyon, m ap koupe tout net, an peti 2.
Ok, bon, ça me va couper tout ingrédient ça là, n'après comment yo couper. Parce que nous, bien, qu'on y a là, m'a stoppé vidéo, juste m'a capable de couper toute l'audio. Qu'on y a là, qui ça m'a fait, moi, mettre chaudière à chaud, qu'on y a là, m'a fait face pour macaroni gratiné maintenant. M'a mis un chaudière maintenant là, m'a mis un petit huile tout petit, un petit huile d'olive tout petit, parce que nous connaissons, il peut y avoir un fromage, et tout vient dans lui-même, il peut y faire l'huile. Ça vient fait que moi, pas mettre un pile d'huile. Qu'on y a là, d'un film, mettez un petit huile moyen. Moi fait face là avant et puis pendant que je fais sauce béchamel là et puis m'a tout bouilli macaroni moi hein yo façon c'est juste pour macaroni en parité frette l'elle fin bouilli on a m'a pas ajouté tomate là m'a pas ajouté tout ingrédient m'a piqué le petit fruit avant ça m'a mettre viande là. On a mis les ingrédients au petit fruit dans l'huile là parce que m'a pas ajouté un petit sel. M'a pas ajouté un dans l'ail que moi t'ai gragé avec du petit persil que moi t'ai coupé. On a la nouer ingrédients ça là comment c'est la gueule là que m'a pas ajouté viande moi. Je vais mélanger. Nous avons bien dans l'huile, mais la fait en pile de l'eau. Il va faire de l'eau. Je vais mélanger tous les ingrédients. Je vais aller quitter le bouilli pour capable cuire dans l'eau. Il va le faire. Il va faire un paquet de l'eau. Je vais commencer à faire de l'eau. Je vais montrer comment faire un paquet de l'eau. Ok, nous avons dit que nous avons fait de l'eau parce que nous avons lavé bien de l'eau. Nous avons fait de l'eau. Si vous avez piqué, vous êtes capable toujours de piquer le girofle. Nous n'avons pas piment piqué. Moi j'ai piment piqué ou un petit calme parce que piment m'a tellement piqué moi ajouter petit girofle ça pour bouillir la donne après ça qui ça m'a fait m'a pas ajouté un petit pas de tomate tout petit la donne m'a ajouté un petit calme pas de tomate pour la m'a mélanger li pour la quitter le bouillir juste pour l'eau capable sèche pour viande moi lui même capable bien cuite parce que moi même viande bœuf était mettre c'était bœuf racher pour viande capable bien cuire. On va quitter le bouilli. OK, j'ai noué là, noué face à la li même gen tan bon. Face à tellement goût, le senti bon. Les goûts, ta un bon pain. Ta met ton petit face en dedans là, c'est tout à fait. Kounya la ki ça m'gal faire, m'gal mettre face moyen là juste pour capable fret et puis m'gal mettre de l'eau macaroni là du fait. Ça c'est de l'eau macaroni là, m'ai déjà mettre sous du fait après mettre jus. Je mette persil, mette l'ail et puis nous mettez sel là-dedans. Je vais ajouter un petit huile là-dedans juste pour capable mettre mes macaroni en bouillie pendant que je vais le faire en sauce béchamel là. Et moi je choisi. Pas de problème non. Quand là moi vais le faire sauce béchamel moi vais prendre un petit beurre. Vais mettre un petit beurre à fond. Je vais mettre un chaud. Faire en sorte qu'elle a fait sauce béchamel yo juste pour ne pas quitter gros du fer en bas yo en bas chaudière. Quand y a les beurre à fin fond, m'a pas ajouté de farine mais on va mettre en pile farine parce que on va faire en pile. Le temps ça de l'eau macaroni à bouillir. M'a mettre farine là juste pour les capable bien cuite dans beurre. OK, pendant que je mets la farine dans le cuit dans le beurre, je vais ajouter des petits oignons. Je vais ajouter de l'ail. Je vais poivron, je vais ajouter avant que je ajoute le lait. Pendant que je mets la farine dans le même, je vais capable bien cuit dans le beurre. OK, je vais ajouter le lait. Si vous mangez magui, vous pouvez toujours mettre un magui là-dedans. Si vous ne mangez pas de tout, quand je mette un petit sel, vous faites un goût. Je vais ajouter le lait. Je vais quitter le petit bouillon avant que je ajoute le fromage. Quand il y a là, il est dans le petit bouillon, je vais ajouter un petit piment. Si vous mangez piment, je vais mettre un petit sel là-dedans tout. Après, je vais ajouter un petit persil frais. Après ça, qui ça m'a pas ajouté? Là, on m'a pas ajouté fromage moyen.
Ah oui, ça va tellement goût, je dis ça. Mon yo dit à la pral, gen bagay nan ka. M'a ajouté, la fin ajouté fromage, m'a fait un petit méché li. Pa kite trop di non, presque la fè sauce béchamel pour macaroni ou pa kite macaroni en trop cuit et puis ou pa kite sauce béchamel là trop presque. OK, nous est sauce mien là, il presque bon. On va pas ajouter un petit poivre là, tout gen poivre blanc. Et poivre blanc pour ajouter. Moi, je n'ai pas de poivre blanc, c'est poivre ça m'a gagné. M'ajouter un petit poivre. Alors, ça m'a été goûté, mais moi, il était manqué un petit goût. Je vais mettre un petit sazon là-dedans, juste pour les cabali bon goût. Je vais mélanger poivre blanc ensemble avec lui. Après ça, juste. Kounya là, tout bagaille est prêt là. Kounya m'a fait montage. Macaroni gratiné, ça c'est macaroni là. Après ça, ça c'est un plateau. Mais juste parce qu'on petit beurre en balé, dans le fond. Si vous avez un pyrex, vous pouvez pas faire un pyrex tout. Et puis ça c'est viande moyen. Après ça, ça c'est fromage juste pour moi capable si mettre en l'ali. Même si c'est mes fromages, je vais mettre un petit noisette de beurre juste pour les pas brûler. Quand je vais mettre sauce béchamel, je vais mettre dans le macaroni juste pour capable faire mélange là. Là, on a fait bon petit recette ça. On fait en sorte que nous faisons un week-end. Là, tout le monde là. Là, comme quoi, famille en grand complet. On va cacher des douces. On fait pendant une semaine. On est dans un moment de travail. On ne doit pas avoir de temps pour prendre goût. Goût macaroni. Parce que vous avez un travail. Vous avez pressé pour le travail. Mais là, dans le week-end, vous faites ces recettes ça. Nous bien distrait. Nous, tant que vous faites, nous sommes avec Marie. Là, nous allons bien distrait. Nous. Après, papi. Oui. Kounye la ki sa ma fè lèm fin mélange sòs béchamèl avèk macaroni. Gen moun ki tou mélange viyan nan ansanm avèk macaroni, ansanm avèk béchamèl la ki pa yon problèm. Mwen menm pa mélange l, m ap mete li pa kouch. Nou ap mete, m ap aranje l nan plato la, byen aranje. Mwen fin mete yon premye kouch makaroni, pou nan la map ajoute vyan mwen. Kom se selman de kouch la pi, map mete tout vyan nan. Vyan nan senti bo api. Ay, baga la gata an gou. Ok, mwen fin ajoute kouch vyan nan, map si mwen ti fomaj an le vyan nan, jous pou makaroni an li menm ni kapab, byen kole. Un brésilien, il me dit que c'est mousse. Quand il y a l'aime, il faut ajouter ce fromage là. Et puis, il faut ajouter l'autre couche, macaroni. Ok, quand il y a l'aime, il faut arranger la dernière couche, macaroni. Je vais mettre le fromage là, chauffer là. Quand il y a l'aime, ça m'a fait, il faut ajouter le fromage là en l'air. Quand il y a le fromage là, on est obligé de mettre un bon petit fromage en l'air. Ça fait comme masque mousse. Eh. Délicieuse. Muito delicioso, amor. Kounya la, jan nou elala, y gen tan pre la, jous pou mal mette li nan fou. Kounya la, ki sa ma fe, map si mon ti noiset de beurre sou li. Jous se pan pil ben, non. Jous pou li kapap pa brile an le. Mon ti noiset de beurre. Si ben sa pral konserve li, jous pou li pa brile. Kounya la, mpral mette li nan fou. On y a là, juste venir présenter nos résultats. Macaroni, moi, on nous recommande bien, belle, les une belle couleur en l'air. Là, on a fait macaroni, on nous capable d'utiliser fromage que nous voulons. Fromage que nous aimons. Moi-même, moi, utiliser fromage que moi, aimer, les m'a fait gratiner, moi. Alors, nous recommande soit il a bien, bien belle. On y a là, qui ça me prend le fait, me prend les coltali, juste pour montrer nous comment les sortir. Ok, ça c'est la présentation macaroni gratiné. Non, nous, là, on pas besoin de nous comment le goût. Ça a vrai le goût. Et, après là, je vais montrer nous, attendez, moi. Après l'espace, ça m'a coupé macaroni. Après, il n'y a pas grand pile d'huile là-dedans. Si l'espace, ça m'a coupé là. Après, il n'y a pas grand pile d'huile là-dedans. Ça veut dire, il a fait un gratiné. Qu'est-ce que manger, n'a fait? Nous pas obligé de mettre un pile d'huile là-dedans parce que l'huile là, il n'est pas bon pour santé, non. L'huile là, pas bon pour l'estomac, non. Eh bien, je pense que nous prenons après mes vidéos. Après là, il est bien goût. On va goûter.
É muito bom, muito, muito gostoso, gente. Você que na primeira vídeo, pas oublier chaque fois que nous faisons regarder vidéo yo, pour nous quitter un like pour moi, juste pour nous partager, pour nous quitter un commentaire pour moi, pour ça la paix de me grandir channel là, pour me capable travailler plus, pour me capable mettre plus vidéo. C'était Michou et cette créole. N'après ouais, dans une autre vidéo. À la prochaine.